Non, ça va. Maintenant, je retourne à vous là. Oui, parce que cette cérémonie, c'est très grande. Attendez, ça va. Non, attendez. Écartez, écartez pour que ce soit tendu. Oui, avancez doucement. Yeah.
Yeah.
exaucer, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous sommes conscients, Seigneur, de nous être éloignés de ton évangile et de mettre en pratique notre propre évangile. Conscients, mon Dieu, de n'avoir pas toujours été vraiment attentifs à ceux qui étaient dans le besoin. Nous sommes conscients, Seigneur, d'être allés à la rencontre de ta volonté, à nous livrer à l'impatience et nous laisser engendrer, Seigneur, par les choses du monde. Toi qui ne désires pas notre mort, en tant que pécheur, et pour que nous vivions, Seigneur, accueille nos prières de supplication. Amen. Témoignage de l'Écriture. C'est une parole certaine, digne d'être accueillie par tous avec une entière confiance. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, que le pardon de Dieu libère et réjouisse chacun de nous. Amen. Thank you.
d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je suis convaincu de ce que je fais. Un traditionnaliste, comment je peux dire, rugueux, intégriste, et un pasteur qui est assez modéré dans ce qu'il fait. Et j'ai pris le temps d'expliquer qu'on ne peut pas dire que nos traditions sont en rupture avec la culture. Ceux qui le disent ne connaissent pas notre tradition. Apprenez à célébrer votre Dieu avec vos traditions. Voilà. Bien sûr que peut-être pendant toute cette année, on n'aura pas le temps de parler de cela, mais le temps que Dieu me donnera, je vais encore expliquer, non pas seulement à vous, mais aussi aux autres pasteurs. Et toi, qui était le responsable, vraiment, qui vient ici devant? Qui vient ici devant? Voilà. Je pense à... Je pense à Yves Beko. Je pense à Jonathan Tanfo. Je pense à Valentin. Et je pense à Kretje. C'était ça les organisateurs. Et nous voulons vraiment les féliciter. L'amour de Dieu. Parce que je pensais savoir beaucoup de choses, mais il m'a mis dans mes chaussures en m'expliquant l'Inda, comment ça se passe
même là que je me suis même vraiment retrouvé. Je dis personnellement. Personnellement, je me suis retrouvé dans toutes ces choses. Parfois, on me raconte des choses. On m'appelle tantôt Tangubek. Je ne sais pas pourquoi. Après, je me suis rendu compte parce que mes grands-parents venaient de Baron. Sache, ça a bouleversé un certain nombre de choses dans ma pensée. J'ai vu comment ça se traduit dans notre adolescence. C'est formidable. C'est formidable. Et nous avons même vu qu'il y a beaucoup de richesses dans nos langues. Parce que seulement pour le nous, il nous a expliqué comment le nous chez nous peut se décliner au moins de deux ou trois façons. Alors les Français font seulement un nous. Nous marchons. Mais on dit chez nous que, nous allons lancer. Et quand on parle comme ça, il serait seulement les nous qui sont ici. Hein. Pas vous. Et si on n'est pas habillé, donc là, ça vous engage aussi. Et là, on reste le même nous des Français qui chez nous se dit de deux façons. Yes. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces choses. Ce matin, le calendrier vous propose de joindre la méditation de ce jour. À savoir, 1 Samuel chapitre 1, les versets 20 à 28. 1 Jean chapitre 1, chapitre 3. Les versets 1 à 24 et Luc au chapitre 2, les versets 41 à 52. Mes frères et mes sœurs, peuple de Dieu, nous sommes rendus ce jour au dernier dimanche, le 52e. De l'année ecclésiastique 2021. C'est à proprement parler le temps des conclusions d'un long voyage excitant, ponctué dimanche après dimanche de messages de toute nature, messages parfois très enlevés, passionnés. Messages parfois participatifs, parfois aussi très applaudis, mais aussi parfois des messages boudés, parce que incompris, pas assez clairs, trop dogmatiques, parfois des messages si interpellateurs qui devenaient attristants, frustrants, voire même injurieux. Alors qu'il a laissé son enfant faire des bêtises, marcher avec des gens peu recommandables. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont vu avec certaines filles qui sont mal habillées. Ils n'ont rien dit. Et voilà. Avant d'ouvrir les yeux, vous avez des jumeaux dans les ventres d'une fille de 15 ans. Voilà. Il est question aujourd'hui de nous interroger au-delà de nos succès, de notre bonheur apparent, sur notre réelle relation avec nos cultures et sur la présence effective de Dieu dans nos pratiques culturelles. Parce que ça ne fait même pas 50 ans qu'on met les gens à la mort. Quand quelqu'un mourait, on l'emballait là, on l'enterrait ou bien on mettait les feux de machin. Maintenant, il y a maintenant la tradition de la mort qui est venue. On met les gens à la mort même pour 2 mois, pour 1 an. Et maintenant, un jour, nos enfants vont dire, ça c'est notre tradition. Jamais. Un sauveur universel dont chaque peuple peut s'approprier sans se dire que je n'ai plus ailleurs. Jésus est aussi notre frère. Il n'est pas seulement, on l'a pas seulement pris comme ça. Non, il nous appartient aussi. Aucun peuple ne peut le réclamer, dire que c'est notre frère, c'est notre fils, c'est le fils de tout le monde. Il est donc question, disais-je, de prendre conscience de la fracture avec nos cultures et la lumière de Dieu, Jésus qui nous éclaire, pour renouer notre relation avec nos cultures et avec le Christ qui les éclaire. Jésus doit redevenir non seulement membre de notre équipage, mais plus que cela, le pilote de notre navire, si nous tenons à réussir notre voyage.
les parents de Jésus se sont contentés de sacrifier à leur culture pour l'adoration, les sacrifices et tout le rituel qu'exige leur tradition, puis retourner à Jérusalem, à Nazareth. Au plan culturel, les parents de Jésus ont accompli leur devoir. Ils sont donc irréprochables au plan culturel. Leur attitude existe d'ailleurs pour nous que nous sachions renouer avec nos cultures et que nous devons abandonner nos cultures sous aucun prétexte parce que nos cultures sont pleines de richesses. Vous voyez comment les gens sont habillés, c'est tellement riche, on a vu tellement de choses. Moi tout à l'heure on va rentrer dans la nourriture, tout à l'heure on va voir qu'il y a beaucoup de richesses au plan culturel, malgré les faiblesses de nos cultures, malgré les forces de nos cultures, il y a quelque chose que nous devons pouvoir retrouver dedans. Toutefois, ce formalisme culturel, ce ritualisme n'est pas suffisant pour un voyage réussi. Notre cheminement sur cette terre des hommes acquiert tout son sens lorsqu'il est éclairé par une lumière qui dépasse celle des hommes, même les plus sages comme le furent nos ancêtres. Il s'agit de la lumière de Dieu qu'incarne Jésus-Christ, le sauveur universel du monde. Les parents de Jésus, juifs convaincus et radicaux, l'ont enfin compris. Et c'est pourquoi, malgré leur attachement presque viscéral à leur culture, ils se résolvent de faire une halte et de retourner à Jérusalem pour réintroduire Jésus dans la barque de leur voyage. Nous devons donc, mes frères et mes sœurs, pour ce nouveau voyage que nous allons entamer dans quelques jours, nous rassurer que nous sommes bien armés des armes que nous apporte la richesse de nos cultures et nous assurer aussi, nous rassurer que Jésus, la lumière du monde, est bien là pour éclairer nos cultures afin qu'elle nous montre le chemin et qu'à Jésus seul, qu'à Jésus seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
nous t'avons parlé d'un masque que nous avons, d'une préoccupation qui nous tourmente, d'un défi que nous voulons relever, d'une souffrance physique ou psychologique, morale que nous endurons. Nous t'avons parlé de nos enfants, nous t'avons présenté nos parents, nos conjoints, nos frères et sœurs et tous ces bien-aimés qui ont demandé le secours de ta prière. Nous nous sommes réjouis de ta présence et nous voulons maintenant, Seigneur, que tu nous laisses quitter ces lieux avec la joie que tu comptes en nos cœurs, avec l'amour que tu nous donnes et que tu voudrais que nous partageons avec les autres. Toi qui sais tout, qui peut tout, qui voit tout, reçois favorablement nos prières, exauce-nous, au nom de Jésus-Christ avec qui nous voulons te dire, notre Père qui est aux cieux. Et ils sont repartis sans Jésus. Et pourtant, on ne peut pas avancer sans Jésus. Ils l'ont compris et ils sont tout de suite retournés à Jérusalem pour mettre Jésus dans leur barque. Alors nous qui célébrons nos cultures ont une très grande importance. Mais si ces cultures n'ont pas Jésus comme la lumière qui les éclaire, nous risquons de nous perdre. Et c'est pour cela que l'exhortation d'aujourd'hui, c'est que nous devons nous enraciner dans nos cultures, célébrer Dieu avec tout ce qu'il nous donne en termes de culture, mais ne jamais oublier que Jésus est le seul qui éclaire les cultures et que sans Jésus, nous risquons d'avancer comme des aveugles et nous retrouver comme dans un trou. Si vous avez bien compris cela, alors allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la grâce du Dieu vivant. Allez dans la joie que nous donne le Christ de Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, dans un air de culte. Je m'appelle Tenga Elali. Je suis ancienne dans cette communauté. Donc, nous avons organisé une semaine culturelle pour vecteur d'amour et d'unité, comme le thème l'indique. Et aussi, c'était beaucoup plus pour faire comprendre au monde entier que ce n'est pas les Blancs nous ont apporté l'évangile, mais nous connaissons Dieu longtemps avant. Donc c'est vraiment ce qui m'a touché pour cette semaine. J'espère que vous êtes satisfait de tout le déroulement. Totalement satisfait, surtout que j'ai beaucoup appris. À propos d'Endap, il y a beaucoup de choses. Je croyais qu'ayant grandi au village, je connaissais beaucoup de choses. Mais
aujourd'hui, grâce à cette conférence, j'ai appris tellement de choses. Je me suis rendu compte qu'il faut... Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Sur sa culture aussi. Merci. Merci pour... Nous vous remercions. Merci aussi. Bonjour, chère Fabrice. Moi, c'est Ramène Dirine, le nom de mes parents. Le nom de la chefferie supérieure Bagneux, c'est Dende Ramène. Et j'ai raté cette fête parce que depuis le 6 octobre, ici en paroisse, après la fête de l'école, je me suis fait l'école, je suis tombé malade. J'ai fait presque 15 jours à l'hôpital avec la cantine, à la chirurgie. J'étais suivi par le docteur Ngande à qui je dis bonjour et que je rends grâce que le Seigneur puisse le bénir. Et que le Seigneur bénisse le directeur de l'hôpital à la cantine, docteur Somba, pour ses travaux qu'il fait à la cantine. Vraiment, c'est très beau, il faut l'apprécier. J'ai fait 15 jours à la cantine, j'étais suivi par le docteur Ngande. Vraiment, je parle, je marche, mais les gens gloire à Dieu. Ce matin, j'étais vraiment content et merveilleux. Depuis peut-être 30 fois, moi je ne suis pas sorti. Je suis venu occuper dimanche. Le pasteur m'a dit qu'il faut être entré dans la famille. Ils sont venus, j'ai vu un bon défilé, des danses traditionnelles. Et c'est ce qu'il faut que nous marquons dans nos églises. Nous apprenons aux Camerounais, aux Africains, nous sommes des Bantous. Que nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Bantous. Et dans le peuple Bantou, c'est la tradition. Notre tradition n'est pas tradition pour dire qu'on refuse Jésus-Christ. On croit en Jésus et on croit en nos ancêtres. Parce que la Bible même dit, rabaisse-toi devant les cheveux blancs. Honore ton père et ta mère, pourquoi ils sont prolongés. Qui est ton père, qui est ta mère? Quand tu dis Jacob, Isaac, ce n'est pas nos ancêtres. Mon ancêtre, c'est Mkumu. C'est Mbou Tchato. C'est Mbou Bonga. C'est nos ancêtres là-bas. Apparenté, j'ai Mbou Zikimbo Kimi. C'est là nos ancêtres. Aujourd'hui à l'église, nous devons apprendre à nos parents, à nos enfants, que nos nourritures africaines, nos nourritures du Cameroun, à l'ouest, au département de Ndé, c'est le Sortie, à Banyoun, c'est le Bombé, et au sud, c'est le Sala. C'est pour cela que le Seigneur peut nous bénir. Et je dis merci ce matin, je voulais que vous entendiez parce que nous sommes à la veille de la CAN. Nous avons lutté, lutté, lutté. Le président de la République a confié à son fils et au fils qu'il a lutté pour ça. Et que je prie le Seigneur Dieu tout pour ça. Il conduit l'équipe de ton fils. Que cette canne reste au Cameroun. Parce que Eto, à la tête de la fédération, nous voulons la gloire et nous voulons tout. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ qu'en janvier, ma d'ouverture, le Cameroun commence à gagner avec son père février pour réserver le trophée au Cameroun. Et que la parole de Dieu soit toujours en haut. Parce que une grande paroisse, que les dirigeants du Cameroun soient toujours contents et que le Cameroun soit béni, que la paix soit au Cameroun en 2022. Que partout il y a guerre, il y ait paix. Que la paix cesse partout, que l'on s'en passe. Le seul amour qu'on doit cultiver au Cameroun, c'est le pardon. Le pardon de passer tout. Depuis l'évangile, je vous dis merci. Avec le nouveau bureau, que papa Ndjike dans sa retraite, Dieu l'a donné ce travail. Et que dans ce bureau, on a compris notre maman Mbatu, que ce bureau soit béni par Jésus-Christ, soit conduit par Jésus-Christ. Amen. Même Manton, il vous a conduit le matin. Manton, mon âme, l'âme, nous aider. Donc, on nous veut voir le manger, le manger. Il y a une semaine culturelle pour le mardi. Et semaine bonbon, Bengam Kainje, Allah, comme le bébé, Bouéha, le beau, la caravane avec la bébé. Il y a un bon bébé. Il y a un bébé qui a entendu le bébé qui a entendu le bébé qui a entendu le bébé. Je suis un peu plus de temps.
Bon, c'est le samba, là, il y a des gens qui vont aller à Brenda, si nous aide. Nous, on a mis sur les attentes. Par là, on a mis des gens qui ont été mis sur les attentes. Nous, on a mis des gens Quand vous présentez le défunt d'amour, dans ma bataille, il y a un bon vingard, un quatre, il y a un savon de souillon. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci pour cet espace de communication, de partage. Vous savez, à un moment donné, était une idée dans l'idée après un constat de négligence de nos cultures, de donner cette idée, n'est-ce pas, de revenir à nos cultures, de revenir à nos cultures. Parce que là-dedans, il y a des richesses. Il y a des richesses et c'est avec ça qu'on fait que la diversité dans ce sens est de la richesse. Nous avons donc pensé organiser une semaine culturelle, qu'on dirait, plus une semaine de culture. Nous avons vu comme ça, une semaine de culture. C'est-à-dire qui a vu le jour et qui a commencé par une conférence qui était animée par Roba. Vous connaissez très bien un intransigeant dans les traditions, mais on a travaillé ensemble, n'est-ce pas, et on a compris que dans tous les cas, il y a un Dieu qui nous fait et qui nous donne et qui nous met dans ses dispositions. Après, il y a eu une table ronde, n'est-ce pas, sur les trois cultures, parmi lesquelles les éloges, etc., ce qu'on entend, les noms même, la signification des noms, quand on donne un nom à un enfant, ça a une signification profonde. Aujourd'hui, c'était le tour. C'était la fin.
louer le Seigneur avec ça. Non. Vous-même particulièrement, vous vous êtes retrouvé dans vos rites, dans vos us et rites. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Vous me retrouvez même des découvertes. Il y a eu des éléments très forts, par exemple l'endapte, nous on donne l'endapte, c'est-à-dire les éloges. Il y avait des choses qu'on ne maîtrisait pas. Mais donnez-nous alors votre endapte maintenant. Mon endapte, c'est Yomba. Les gens qui prennent Yomba, on voit déjà que tu sors de Babou. Si on ne sait pas ça, on se perd. Il y a par exemple des tontons, tu sais qu'on dit qu'il y a tontons de Bassou, tontons de Bangoula, tontons de... Tout ça là, c'est la culture qui définit, qui permet de définir. Tu es tontons de Bassou, quand on va voler ton dame, ça va se tenir comme tout ça. Donc c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est une première édition avec tout ce que ça comporte, des choses pas très bien faites, la perfection n'étant pas de ce monde. Nous pensons que la deuxième édition sera encore très en ligne. Nous pensons aussi que nous serons encore là. Ah oui, on espère, par la grâce de Dieu. Bonne fête. Merci. Ok, je suis le pasteur Daniel Kouaménié. Bon, je suis Dundé, je suis de Bangafokam. Je suis d'abord un jumeau, c'est ça qu'on m'appelle Soufo. Et je suis aussi Mbouchouak, du côté de Batoufam. Et je suis aussi Tessou, du côté de Batoufam. Et je suis Tangrebet, du côté de Bazou. Donc voilà, mes origines, c'est Bazou, ça remonte. Et puis voilà, et je suis tout cela en même temps. Je suis aussi enseignant de philosophie. Voilà. Je suis, voilà, celui que je suis. Vous savez, nous sommes dans une église où il y a, à vrai dire, parfois un manque de formation. Et nous avons accueilli l'évangile à bras ouverts. Et nous nous sommes engagés selon ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont apporté l'évangile. Et nous avons pris le risque d'y aller sans penser que nous sommes nés quelque part. Et nous voulons adorer notre Dieu avec les moyens qui nous viennent d'ailleurs. Ce n'est pas facile d'adorer Dieu sans se référer à nos origines. Parce que Dieu parle aux gens selon l'endroit où ils se trouvent, en fonction du milieu où ils se trouvent. Dieu a un message pour les gens de façon... Ce n'est pas toujours la même chose. Alors nous ne pouvons pas adorer le Seigneur comme si nous étions des Juifs. Nous ne sommes pas du tout des Juifs. Nous sommes la vérité. Et nous avons une tradition, une culture qui peut, avec beaucoup de force, célébrer Dieu. Donc, je n'ai eu aucun problème à organiser cette semaine culturelle. C'est vrai que j'ai souvent des façons d'agir qui amènent certains pasteurs qui n'ont pas peut-être la même formation que moi à se poser des questions. Et ici, la dernière fois, je faisais la fête des mères et j'ai mis un disque de Nico Mbarga et puis il y a eu une grosse ambiance et les gens ont estimé que je ne devrais pas mettre une musique comme celle-là à l'église. Non, l'église n'est pas un endroit qui est fermé. L'église est un endroit ouvert. On doit célébrer notre Dieu avec tout ce que Dieu nous a donné. Et lorsque j'organise une semaine culturelle comme celle-ci, je veux que les gens prennent ça comme une mesure pour pouvoir eux-mêmes à leur niveau savoir qu'on ne peut pas aller au ciel comme s'il n'y avait pas la terre. Aller au ciel, c'est le mot d'un mot que je fais une fois avec beaucoup d'emphase. On ne peut pas aller au ciel comme s'il n'y avait pas la terre, comme si la terre n'existait pas. Nous sommes nés quelque part et nous devons évoluer comme des gens qui sont nés quelque part et qui ont rencontré Dieu, à qui Dieu a parlé. Et lorsque Dieu nous parle, il tient compte de ce que nous sommes. Il nous parle, il a parlé aux Juifs en tenant compte de ce qu'ils sont. Maintenant, quand il nous parle, il faut qu'il tienne aussi compte de ce que nous sommes. Et il le fait. Maintenant, nous qui voulons adorer notre Dieu sans tenir compte de ce que nous sommes, alors nous avons toutes les chances de ne plus même savoir de quel Dieu il s'agit. Alors, concernant vos collègues,
Sûrement, ils ne vont pas bien prendre la chose du bon côté. Je veux dérouler le tapis pour leur dire un mot par rapport à... Non, je pense que les collègues qui ne vont pas comprendre, c'est un déficit de formation dans ce domaine. Il faut étudier les traditions africaines. Quand vous les étudiez, normalement, vous vous rendez compte que les traditions authentiques africaines et l'évangile authentique n'ont pas de zone d'ombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre les deux, se comprennent. C'est qu'il y a des traditions africaines qui ont été, comment je vais dire, édulcorées, qui ont été biaisées. Et maintenant, cette tradition biaisée n'est pas authentique. Et lorsqu'on prend cette tradition biaisée, à cause des intérêts des uns et des autres, des humains, alors on constate que ça n'a pas de rapport avec notre tradition. Mais si vous prenez la tradition authentique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'acquaintances avec nos traditions. J'ai conduit cette semaine avec Mbombop Bengan, que tout le monde connaît, qui a Equinox, et nous avons vu entre nous les points de rencontre qu'il peut y avoir entre nos traditions et l'évangile. Ce n'est pas deux systèmes qui s'excluent en tant que tels. C'est que si nous sommes très attentifs, nous sommes très regardants, très prudents, nous allons nous rendre compte qu'on peut retrouver. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure avec Mbombok que nous ne parlons pas de l'inculturation comme chez les catholiques. Parce que l'inculturation suppose que vous avez une tradition qui est là et vous amenez l'évangile pour jeter la lumière, parce que ce n'est que l'évangile devient comme un donneur de leçons. Hein. C'est comme une leçon que vous voulez apporter à la culture. Nous parlons d'interculturalité. C'est-à-dire que les cultures, chaque culture, même la culture de l'évangile, il y a des zones, il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très bien. Et il y en a qui sont bien, comme chez nous également, sans le voir. Qu'est-ce que la tradition peut apporter à l'évangile et qu'est-ce que l'évangile peut apporter à la tradition. C'est pourquoi je parle non pas d'inculturation, mais d'interculturalité entre nos traditions et l'évangile. Ça veut dire que, est-ce qu'il y aura nécessité de revoir la prédication? Il y aura nécessité pour les pasteurs de continuer à faire la recherche, de se former pour bien comprendre leur culture. Il ne faut pas vous mettre à tirer sur des gens que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas vous mettre, vous avez des gens dans votre famille qui disent, moi je vais aller sortir le crâne de mon père, je vais aller faire ceci. Et vous vous mettez à le critiquer. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi il le fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et après cela, vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez me le corriger en disant, il y a telle chose que vous pouvez faire mieux. Parce que l'évangile vient aussi nous aider à voir les choses, comment on peut améliorer certaines choses. Donc tout ce que les parents ont fait à haute voix, c'est une façon, est-ce que Dieu t'impacte comme ça? Non. C'est qu'il y a des moments où certaines choses doivent évoluer. Mais pour que cela évolue, il faut d'abord qu'on sache exactement ce qui se passe. Je refuse que les gens disent que c'est comme ça que mes parents faisaient. C'est comme ça que qu'on a toujours fait. Mais il faut chercher à savoir pourquoi il le faisait. Et peut-être en recherchant le motif ou bien le mobile même de leurs actions, vous pourrez comprendre qu'ils n'étaient pas si loin de Dieu comme on s'imagine. Et maintenant, on a reçu l'évangile, comme on parle de l'interculturalité, qu'est-ce que l'évangile peut nous apporter? Peut-être pour améliorer cette façon de faire. Lui leur donner un autre sens, ne pas être prisonnier de cette même chose. Quoi je dis, il y a dans nos cultures ce qui est bien et ce qui est mal. Non pas parce que l'évangile nous a dit que c'est mal, parce que nous-mêmes nous vivons, ça nous sentons que c'est mal. Que c'est mal. C'est dans une tradition où on vous dit, il y avait dans les traditions africaines, dans le Dahomey ancien, on enterrait les chefs avec leurs épouses vivantes. Est-ce que c'est bien comme ça? C'était des traditions. Est-ce qu'on va continuer à enterrer les chefs avec les gens vivants? Non, ce n'est pas normal. Donc, il y a des choses qui étaient nos traditions, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien là-dedans. On change ce qui n'est pas bien, on ajoute ce qui est bien avec la lumière que l'évangile nous apporte. Et même dans l'évangile, il y a certaines choses dans nos traditions qui peuvent éclairer l'évangile. Par exemple, le problème de mariage. Le mariage chez nous, ce n'est pas n'importe quoi. On ne se marie pas deux fois. Dès que vous avez bu le vin blanc avec la cola, c'est terminé. Même si vous divorcez, vous allez où vous allez, ce n'est pas ça le problème. Vous faites des enfants là-bas, ces enfants appartiennent à votre
à votre ancien mari. Même si vous avez un acte là-bas, on s'en fout de ça. Et vous allez être enterré là où vous avez bu le vin blanc. Dans la question du mariage, les traditions africaines ont beaucoup de choses à raconter à l'évangile. Ça, c'est la vérité. Personne ne peut discuter ça. Si vous me discutez de ça, qui vient discuter avec moi? Je comprends que c'est seulement le temps qui nous manque. Oui. Nous vous reviendrons bien après. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Joyeux bonne merci, année. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Ok. Filme-moi ça. Donc, on va... Tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière. Yeah.